Mais non, hein, il faut avoir à l'esprit qu'il faut charger la jambe extérieure. Ça, c'est en ski, c'est comme ça. Après, dissociation, vous en avez déjà entendu parler, hein, c'est le haut du corps légèrement tourné. Alors, il ne va pas être comme ça, hein, d'accord? C'est le haut du corps légèrement tourné vers le bas. Là, ça aide aussi à venir charger ça. Et après, là, comme la pente s'accentue, on va essayer de mettre plus de prise de quart, d'accord? Essayez de le faire ça à l'arrêt, tiens, donne-moi tes bâtons. Mettez-vous comme ça là. Voilà. Tiens, prends tes bâtons, voilà, comme ça. Vas-y, tu essayes de me tenir. Voilà. Voilà, et lève le pied intérieur. Gauche, voilà. Là tu es dissocié, d'accord? Mais si je lâche, tu ne vas pas tomber. Voilà. Là tu es. Et puis, tu comprends? Oui. Mais mets une prise de quart. Voilà, parce que là, je vais te tirer. Oui. Donc là, voilà. Bien parallèle. Là, tu es équilibré. Tu vois? Ouais, faites le ensemble, deux par deux, ça. Vous devez sentir que vous devez tenir le voisin. Et après, vous échangez. Et vous tirez. Un petit talache, moi je repars dans l'autre sens. Voilà, mais par contre, c'est trois arrières, là, t'as vu? Mais toi, plus vers l'avant. Voilà. Et tire en arrière. Non, sur la jambe droite, voilà. Et là, là, t'es bien, là. Tu vois? Voilà, c'est ça. Mais si ça tire, là, je pars, moi. C'est surtout au lâcher. Plus de prise de quart à droite. Voilà. Là, c'est bon. Et là, si je lâche, voilà, là, t'es mieux. Tu comprends? Voilà. Après, tournez-vous, faites l'inverse. Voilà, faites l'inverse, là, vous échangez.